Coupe alors. On coupe. Et ben on coupe. En tout cas, il marche bien. Là. La Poste de Liège a procédé à l'inauguration de son tout nouveau bureau situé rue Silas Goulet. En effet, après 4 mois de travaux nécessaires pour sa rénovation, ce bureau nouvelle génération propose désormais un espace d'accueil plus moderne, mieux agencé et plus clair qu'auparavant. Tout a été fait pour accueillir le client dans les meilleures conditions. Alors vous avez, c'est ce que je vous ai présenté, la partie automate. D'abord, c'est très clair, mais surtout, le point fort de la Poste maintenant, c'est que tous les clients qui rentrent sont pris en charge. Même s'ils décident d'être autonomes et d'aller aux automates de leur propre chef, ils y vont. Mais s'ils veulent être accompagnés, il y aura toujours un chargé de clientèle qui est là pour les accompagner, aussi bien partie bancaire que partie courrier. Vous aviez un sas avant, c'est-à-dire un sas qui coupait quand même un petit peu l'entrée du bureau, qui avait tendance à faire une file d'attente. Maintenant, il n'y a plus de sas. Le client rentre directement. C'est plus clair, c'est plus joli. Et forcément, les espaces ont été séparés, bancaire et courrier. Et on peut plus vite, facilement se diriger. Si les modes de consommation ont évolué, la Poste a su adapter son offre de services aux besoins spécifiques des clients et leur mode de vie. Un nouveau concept de bureau centré sur un service plus personnalisé et résolument numérique, moins d'attente, mais toujours un accompagnement présent. Un bureau de poste lumineux, accueillant, agréable, où l'on aimera se rendre et où les usagers disposeront de tous les services qu'un bureau de poste peut offrir, avec les appareils digitaux, numériques, etc. Mais aussi et surtout la présence humaine. Parce qu'avoir des machines en face de soi, c'est bien, mais être accompagné parfois dans leur pratique, c'est quand même mieux. Et c'est vrai que l'ADN de la Poste, qui repose sur la proximité, la relation humaine, persiste dans ce bureau de poste et j'en suis particulièrement heureux. Et puis un bureau de poste où les professionnels, les conseillers bancaires, les chargés d'accueil, etc., disposeront effectivement, on va dire, d'un cadre de travail tout à fait remarquable. Bravo la Poste. Des conditions d'accueil qui ont évolué et des horaires qui sont aussi plus accessibles, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, non-stop, et le samedi, de 9h à midi.